Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine qui débute. Donc avant de commencer le cours, on a à nouveau, au niveau du sport, il y a eu un nouveau communiqué. Donc le sport à l'extérieur est autorisé pour les amateurs, mais toujours pareil, il doit être exécuté dans un ERPPA, ça veut dire un établissement recevant du public, mais à l'extérieur, d'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller n'importe où faire une activité, on ne peut pas se mettre en groupe et aller dans un parc. En tout cas, ça, il faut demander l'autorisation aux mairies, parce que c'est eux qui dirigent les ouvertures et voilà, l'autorisation dans les parcs. Un ERP, donc, je l'ai dit, c'est un établissement recevant du public en plein air pour PA. Ça veut dire un stade de foot, ça veut dire un city park, ou toutes ces choses-là. Dans certains endroits, on a le droit de le faire, hein, comme je vous ai dit, un peu à Courcelles-Chaussy, il y a le petit city park, des choses comme ça où on pourrait le faire. Mais par contre, on nous ouvre aucun vestiaire. Ça veut dire également pas de vestiaire, pas pour déposer ses affaires. Bon, ça encore, ça va. Mais ça veut dire pas de toilettes. Et voilà. Et chacun ramène, bien évidemment, son matériel. Encore une condition, c'est le temps. Chez nous, vous l'avez vu, hein, voilà, on passe de la pluie et puis au beau temps. On va bien évidemment attendre un petit peu. Voilà, voir ce qui va se passer. Mais dès qu'on pourra, dès que les chaleurs, elles vont, voilà, ça va augmenter. Pouvoir, on a un confinement maintenant, un couvre-feu à 19h. Essayer d'adapter, peut-être même sur plusieurs jours. Pas faire les jours où on le faisait d'habitude. Mettre peut-être aussi une séance le dimanche matin. Je vais en parler de toute façon au club. On va voir comment ça va se passer. En sachant bien que là, on attend peut-être aussi un confinement de nouveau. Alors voilà, mais en tout cas on suit, hein, vous inquiétez pas, et je suis aussi beaucoup tout ce qui se passe au niveau du sport, hein, pour savoir, voilà, ça redémarre aussi avec les enfants pour en dehors des scolaires à l'extérieur, mais pareil, on n'a pas le droit ni à aller faire un petit pipi dans un gymnase, ni rien, donc c'est compliqué aussi pour les enfants, et pareil, ça doit être un stade, ce n'est pas un parc, et puis voilà. Bon, allez, on commence. Je mets la musique et je continue un petit peu des explications sur la séance qu'on va avoir aujourd'hui. Mode USB. On inspire, on relâche, on souffle. Encore, vous avez vu mon tapis, il est déjà en place. Une dernière fois, on reste en haut. C'est la semaine.
Et on relâche. Allez ici. Toujours téléphone. Et tout, et vous pouvez très bien faire cette séance en prenant une charge supplémentaire. Aujourd'hui, nous, je vais juste boire un coup. Vous avez vu, j'ai déjà mis mon tapis en place parce qu'il va y avoir 6 exercices. 6 exercices, 5 tours. Alors, c'est pas tout à fait à Tabata. Vous savez, quand on travaille Tabata, on va travailler 20 secondes, 10 secondes de récupération, 20 secondes de travail et on va faire 8 exercices. Ça peut être 8, 4 mêmes et on reproduit 4 mêmes. Hein, voilà. Mais il y a 8 exercices en tout cas d'une durée à peu près de 4 minutes de travail. Et on fait ça 8 passages, 8 exercices, 8 passages. Là, on va faire 6 exercices, 5 passages. C'est parce qu'on va augmenter la durée de travail directement. On va avoir 35 secondes de travail. Après, on va passer à 40 secondes de travail deux fois. Une fois 50 de travail. Et le dernier passage, ce sera 50 secondes de travail avec que 15 de récupération. Sinon, les autres, c'est à chaque fois 20 secondes de récupération. D'accord? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, les exercices sont principalement au sol. On va les adapter au fur et à mesure. Je vais vous montrer le premier. Donc, le premier, ça va être une planche classique. Planche ici, avec en avant-bras, sur les avant-bras, on vient tenir. Après, on adaptera si on veut faire des difficultés supplémentaires. Je vous proposerai et puis on adapte. Notre deuxième exercice, ça veut venir travailler les triceps. Je sais que vous n'aimez pas cet exercice, mais on va quand même tenter de le faire pour les personnes désirantes, de faire ce exercice triceps, donc les dips. Je viens ici fléchir mes pas en arrière pour venir rapprocher les fessiers. Plus vous éloignez les jambes, plus c'est difficile et je pousse pour remonter. D'accord? Si ça ne va pas, et ce que je conçois très bien, attention, on y vit difficultés, problème de poignet, problème d'épaule. On vient ici, on reste au sol, hein. On vient travailler sur l'allongement ici de l'avant-bras sur l'arrière. Pour plus d'intensité, venez mettre les mains ouvertes à plat, dirigées vers le sol. Pour encore plus de difficultés, je mange mes mots, prenez des haltères. Bon, pas une grande charge, là c'est des 900 grammes. Et venez ici pour être un petit peu sur un dips, d'accord? Parce que bon, évidemment, le dips, on travaille au poids de corps. Là, on est sur du 900 grammes. Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile, mais au moins, vous faites un travail quand même assez intéressant au niveau des triceps, ok? Ça, c'était notre deuxième exercice. Le troisième exercice avec la planche. Planche ici sur le côté. Alors, au fur et à mesure des passages, on va adapter le premier passage sur le coude, premier, deuxième passage avec le ici avec la jambe levée, d'accord? Après, passage aussi, on appuie sur la main. Chez vous aussi, choisissez l'exercice qui vous convient le mieux, même si vous répétez 5 fois pour les 5 passages de la même façon, c'est pas grave, d'accord?
Ici, pour le cinquième exercice, on va venir travailler les fessiers. Vous savez, cette position au niveau crabe, où on vient rejoindre les pieds. On va monter, on reste 1, 2, 3 et on descend. 1, 2, 3 et on descend. Quand vous êtes en haut, les 3, pensez à bien contracter les fessiers. On a travaillé aussi des adducteurs, bien évidemment. Ok? Et bien après, on a la planche de l'autre côté. Ici, planche latérale de l'autre côté, c'est notre cinquième exercice. J'essaie de ne pas me tromper. Ok? Et le sixième, c'est là que vous allez vraiment me détester. Et c'est là que j'ai mis vraiment ma tenue de combat. Je vous laisse un petit peu réfléchir à ce que ça peut être. Vous allez me détester. Je le sais. Allez, dites-le fort. Je veux vous entendre. Vous savez le casser? Oui, vous n'êtes pas trompé. Burpees. Ouais. Elle a osé nous faire ça. Burpees, on y va. Alors, burpees classique. J'essaie de ne pas trop m'éloigner pour que je ne sois pas encore dans le champ de la vision du cadrage de la vidéo. Je viens ici, les mains au sol, j'allonge, je ramène et je saute. J'en fais tout le long de la musique, hein, d'accord? Hop, hop. Et voilà, chacun, chacune à votre rythme. Plus facile, d'accord? Je viens fléchir les deux jambes, je mets mes mains au sol, j'allonge une jambe, j'allonge l'autre, je ramène, hop, et je peux venir ici sauter. J'allonge, j'allonge, je ramène, et je saute. Et si vous voulez même pas de petits sauts, vous venez sur les pointes de pied. J'ai déjà chaud avant de commencer. Donc, vous avez vu, c'est le passage. On termine debout, le temps de boire ou de se remettre au sol pour le deuxième passage après. Et ainsi de suite. On est sur un même temps de travail, que ça soit Tabata ou que ça soit là le circuit training. C'est des musiques que j'ai moi-même dû copier, couper sur Audacity. Voilà, c'est vraiment un travail assez important pour qu'on ait du plaisir en écoutant ces musiques-là et pour pouvoir les adapter au nombre de secondes. On est sur un Tabata, on est sur 32 minutes de travail. Là, sur ce circuit training, on est à 31 minutes de travail. Hein, une minute, hein, si vous voulez, vous restez plus longtemps. Sur un gainage, pour être à 32, 32. Dès que la musique elle est en route, on commence. Donc, je me mets déjà au sol pour commencer ma planche. Installez-vous. Allez, on est en planche. Dès que ça commence, il n'y a pas de délai. Là, il n'y a pas... on doit attendre que ça nous donne l'explication. Non, tout de suite. Et on commence avec du 35 secondes de travail. 20 secondes de récupération. Allez, on rentre bien le ventre, on serre les fessiers. 25 secondes. Hop, on passe au suivant. On a les dips. 20 secondes ici pour récupérer. On se met en position. Yeah.
réfléchissez, on ne bloque pas la respiration. Hop. On se met au sol pour venir travailler les fessiers. Bon, on est déjà au sol, mais on se remet sur le dos. Ici, les pieds sont rejoints. Et dès que la musique elle commence, alors on reste trois petits en haut et on redescend. 1, 2, 3. Redémarrer. 40 secondes.
bien dans la montée. Allez, ici, la planche sur le côté, on pourra décoller si on veut le bras. N'oubliez pas, il y a l'option aussi, toujours je pose un genou au sol. Ici, d'accord, et je contracte bien les abdominaux. Hein. Allez, je respire, je ne bloque pas la respiration. On a que 6 exercices. Passe aux fessiers. Trois petits en haut. Position crabe ici. Trois petits en haut, hein. Gainage ici, latéral de l'autre côté, l'avant-dernier exercice. L'option, je pose mon genou au sol, n'oubliez pas. On bloque pas sa respiration. Et on se met debout. Les burpees. Je tends tranquillement. C'est parti. Et oui, on aurait pu rester tranquillement au sol.
faire tous ces exercices au sol qui sont quand même difficiles, hein. Mais non, juste un grand petit cardio. Renforcement des cuisses, burpees, hein, planche. Le petit saut qui donne le cardio, la rapidité dans le mouvement, en sécurité. Hein. C'est bon. La fréquence cardiaque à la baisser. On peut se mettre en place. Alors, moi, je vais éviter de bouger mes pieds sur celui-là parce que je glisse. Je vais adapter. Je vais le faire cette fois-ci en appui avant-bras tendu. Ça commence directement. Hein. Dès que la musique, ça ne nous donne pas. Hein. C'est moi qui fais cette musique. Ces petits découpages. Donc, j'ai pas les paroles qui nous disent 1, 2, 3, on va commencer. Voilà. Dès que la musique, on l'entend, on se met en place. On a 40 secondes de travail. Hein. On tient, on tient, on tient. Allez, hein, une, deux secondes près, hein. Des fois les découpages, je vais regarder, on est à 39. Vous trichez quand même, pas juste. Allez, les 10. Travail du triceps. On se met en place. C'est parti, ouais, ça recommence à 59. Hein. Voilà, on n'a pas triché. Inspirez, soufflez, tendez les pas. Serrez les fessiers quand vous arrivez en haut. Et entrez sur le côté. Alors la planche côté comme vous souhaitez, soit le bras tendu, soit comme tout à l'heure avec appui sur l'avant-bras. Je vais essayer de me mettre en place, voir ce que je choisis par rapport à comment je me sentirai une fois que j'y suis. Allez, pas sûr que je tienne. Et on essaye quand même. Allez. On garde le sourire. On serre le vent. Thank you.
À votre rythme, sans saut, avec saut. On est sur du 40 secondes. Ouh, ça transpire, ça transpire. N'hésitez pas à changer de position un petit peu, hein, si vous prenez l'appui sur la main, de vous remettre un appui sur le coude. D'adapter l'exercice à vos possibilités. Ouais, petite récupération. Les burpees, ça tue. Hein. Sur les 5 passages, à la fin, on doit être à allez, une trentaine de burpees quand même. Amusez-vous à les compter. Ok, allez, on se met en place. Choisissez la planche que vous voulez. 50 secondes de travail, ça fait 10 secondes en plus que tout à l'heure. 15 par rapport au premier passage, c'est pas négligeable. Ça commence directement, hein. Allez, 50 secondes, on va tenir. Tout de suite, on est en position. Hein, ça a commencé là. Allez, on ne bloque pas sa respiration. On pense à quelque chose d'agréable. On serre son ventre, on serre ses abdominaux. Allez, il reste 10 secondes. Ouais. On passe au dips. On a 20 secondes là. C'est après au dernier passage qu'on n'aura plus que 15 secondes de récupération. J'utilise bien ma respiration pour oxygéner les muscles.
j'ai mal ici au niveau de l'articulation de la hanche sur certains mouvements. C'est pas la mauvaise volonté. On approche des burpees. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Allez, on récupère. Dernier passage. On sera, rappelez-vous, 31 minutes de travail. Hein. Fractionné. Les 20 secondes à chaque fois qu'on a, c'est de la récupération active. Hein. Le corps continue à brûler des calories. C'est pas parce que 20 secondes on s'arrête que le cœur ralentit d'un coup et la combustion d'énergie elle s'arrête tout d'un coup. Non, on continue, à moins d'intensité, mais on continue. On va passer, hein, c'est encore une fois 50 secondes, mais que 15 secondes de récupération. Juste le temps de changer de place et de se mettre sur le travail suivant. C'est passé vite, non? Vous êtes d'accord avec moi? 31 minutes de travail intensif, un petit échauffement de 6 minutes, des petits étirements et hop, notre séance, elle est bouclée. Et c'est top, et on a travaillé avec beaucoup d'énergie. Je me mets en place. Quand on travaille
travailler comme ça, je ne sais pas chez vous, mais moi quand vous comprenez, je bois de l'eau. Évidemment, ça me pèse. Il faut laisser redescendre tout ça. Ah, les petits coups quand même. On se met en place pour le dernier passage avec du ACDC.
Waouh! Il me manquait juste un dernier petit passage dans ma musique pour les burpees et ça y est, c'est fait! Récupéré! Allez, 14-15 hein, quand on était sur les 50 secondes pour faire nos burpees. Peut être facilement 40 burpees, 50. Donnez-moi vos chiffres. Il n'y a pas de petit challenge. Il n'y a pas de un tour en plus en récupère. Si chez vous, vous voulez faire un tour en plus, faites-le. Mais par contre, n'hésitez pas à me dire combien de burpees vous avez fait à chaque fois. Ça me fera plaisir de le savoir. Je vous noterai combien j'en ai fait. Je n'ai pas toujours compté. Et voilà. Ok, on va se remettre un petit peu au sol pour étirer eh ben, nos jambes, pour prendre un petit peu 5-6 minutes pour bien récupérer. Et on reste toujours sur notre musique de hard rock. Youhou! Super. Allez, ici on remonte les genoux vers la poitrine. Inspirez, soufflez, hein, récupérez bien. Enfléchis la jambe d'appui en temps lourd. Talons vers le plafond. Alors, on étire ici, hein, jusqu'au jambier, vous devez sentir que ça tire. En position, on remet ici genoux, on étire fessiers, fessiers adducteurs. Vous avez dû sentir le travail des adducteurs hein, dans l'exercice du pont avec la position crabe. Allez, on relâche. Autre côté. Là. Le cerveau, il a chauffé. Il n'y a pas que le cerveau, là. Ouh! Super, super. Bonne séance. La prochaine fois, vous allez le voir en tenue de commando, comme ça. Ça va donner. Allez, on pousse les talons vers le plafond, on étire bien ici, un disque au jambier, ça doit tirer. On pose et on ramène. On peut relâcher. Allez, on passe ici. On appuie sur les avant-bras pour venir étirer un petit peu les abdos, les obliques, le rond droit, le transverse. On a bien travaillé avec la planche, hein, tous les mouvements latéraux de gainage et ventral. On ramène. On n'hésite pas, on reprend la position. Poussez bien sur vos avant-bras. Décollez bien le buste du sol. Sentir que ça tire au niveau des abdominaux. Relâchez un petit peu. Une dernière fois. Allez, on vient pousser sur les avant-bras. Ici, on fait la position de l'enfant. On se redresse. On vient étirer ici. Soit si en même temps la cuisse.
Ça tire à l'avant hein, de votre biceps. Ça tire au pied de laine aussi. Hop. Et on fait l'autre côté pareil. On va étirer ici, hein, le triceps, on ramène bien le bras sur l'arrière, on vient tirer ici. Si ça ne va pas passer par l'avant, on peut relâcher, on fait pareil pour l'autre côté. N'hésitez pas à pivoter aussi un petit peu le poignet quand vous avez pris appui pas mal sur vos. Sur vos mains. Et on peut relâcher. On va étirer ici son dos. On ramène les mains sur le côté. On étire tout le bas du dos dans un premier temps. Ici, on inspire, on se penche. Si vous ne pouvez pas garder les jambes serrées, ouvrez un petit peu, hein. D'accord, vous allez sentir aussi en même temps un étirement des adducteurs. Étirement du bas du dos, remontez. Et on y va encore. Allez. On se rapproche hein, du sol. On garde le dos plat pour l'instant. On doit sentir qu'au bas du dos s'attire. Inspirez, soufflez. Et on remonte, déroulez tout doucement. Une dernière fois, cette fois-ci, on va aller sur l'avant, donc avec les bras. On peut venir ici, hein, à l'avant. Le dos va s'enrouler. Et on essaie de poser les bras, la tête au sol, rapprochez vos bras près de vous. On arrondit tout le dos. On inspire et on souffle. Allez, on inspire et on va sur le côté étirer la taille. On revient, on fait pareil. Encore, hein. On prend ce moment agréable pour nous. Et bien la taille hein, sur tous les mouvements qu'on a fait de gainage, la séro. Une dernière fois. Et on peut relâcher. Et voilà, notre séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, elle était bien tonique. Ça nous permet de se tenir en forme. Donc, jeudi, si ça va, gros ballon et élastique, vous prenez plusieurs hein, de vos élastiques, on adaptera, on fait la séance ensemble. Et des fois, eh bien, il y a des petits couacs, on change d'élastique, on en prend un autre, on teste et puis après, on adapte. D'accord? Passez un bon début de semaine et je vous retrouve jeudi. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.